Nous allons ici un petit peu plus loin dans l'étude des bijections et nous allons voir ce que c'est que les permutations et les involutions, qui sont deux types de bijections un petit peu spécifiques mais qui ont leur importance. Alors, on va commencer justement par ces deux types de bijections et on va commencer par les permutations. Alors, une permutation, bah, c'est purement et simplement une bijection d'un ensemble E dans un ensemble E. C'est tout, c'est-à-dire l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée, donc c'est bien une bijection. Si on parle d'une involution, une involution, ça va être une application qui, si on la compose par elle-même, eh bien, on obtient l'identité, c'est-à-dire l'application qui a tout x de E associe x lui-même, ne change strictement rien. Attention, ces deux types d'applications, les permutations et les involutions, sont de E dans E, toutes les deux. Ici, vous remarquez que dans la définition, on n'a pas la notion de bijectivité pour les involutions. On va le voir un petit peu plus loin. Alors, regardons un petit peu plus avec des exemples pour voir ce que c'est que ces fameuses permutations. Alors, je vais prendre une permutation par exemple ici. Donc, il me faut une bijection. Hein. On sait que les permutations sont les bijections. Donc, comme c'est une application, il faut que tous les éléments possèdent une image et que tous les éléments de E possèdent également un antécédent, et on a bien sûr le même ensemble E ici et là. Alors, j'aurais pu faire un diagramme sagittal avec un seul ensemble E, mais c'est plus visuel comme ceci. Enfin, moi, j'ai une petite préférence pour ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais comparer, étant donné que j'ai pris un ensemble petit avec quatre éléments, je vais comparer donc les quadruplets. Donc, je pars de A, B, C, D, et je prends le quadruplet ici qui est constitué des images de A, l'image de B, l'image de C, l'image de D dans cet ordre. Si je prends un quadruplet, je mets un ordre bien sûr ici. Et bien ici, f de A, on a dit que ça nous faisait B. F de B, ça nous fait A. F de C, ça nous fait D ici. Et F de D, ça nous fait C ici. Donc vous voyez, si je compare ici celui-là et celui-là, alors on a les mêmes éléments, bien entendu, mais comme il y a un ordre, en fait, on a réordonné les ordres, l'ordre des quatre éléments qu'il y a dans l'ensemble E de départ. En fait, on a permuté A et B et on a permuté D et C. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des permutations. En fait, une permutation, je l'ai écrit ici, on peut considérer que c'est un réordonnancement des éléments dans un ensemble. On remet un ordre différent dans l'écriture, en fait, de ces éléments. On va voir maintenant un petit peu ce que c'est que les involutions. Alors, on va voir quelques exemples, surtout. Alors, la première involution que vous avez, c'est bah, tout simplement, si je prends l'identité de E, qui va donc de E dans E, qui a x associe x ici, eh bien, ça, c'est une involution. Ça, il n'y a pas de problème, est une involution. Il n'y a pas de souci. C'est même la reine des involutions. Donc ici, on va faire une autre maintenant. Ça, c'est dans n'importe quel ensemble E. Maintenant, si je me place dans un ensemble un petit peu plus connu, si je prends F, je pars donc de R étoile et je vais dans R étoile. Et à X, j'associe ici 1 sur X, c'est-à-dire que je prends l'inverse. On est bien d'accord que si je prends l'inverse de l'inverse, on a bien sûr, on a F rond F de X qui va être égal à F de 1 sur X, qui va être égal donc à 1 sur 1 sur X et qui va être égal à X et qui va donc être, ça nous fait donc l'identité. Donc il n'y a pas de problème, elle est involutive. Donc F est involutive. On parle d'une involution ou d'une application qui est involutive, c'est exactement la même chose. C'est un petit peu comme injective et une surjection. Une injection, pardon. Si je prends maintenant une autre fonction, allez, je vais prendre g ici, je vais la prendre de r dans r, qui à x associe moins x. Et bien ici, c'est pareil, elle est involutive de la même façon que la fonction précédente. Ça, c'est la fonction inverse, ça, c'est la fonction opposée. Bien sûr, l'inverse de l'inverse, ça fait comme si on faisait rien, et l'opposé de l'opposé, eh bien, c'est le nombre lui-même. Donc voilà des involutions classiques. Maintenant, voyons un petit peu les propriétés des bijections. Alors, on commence par la première qui est évidente. Si je prends une application f qui est bijective, bah, bien évidemment, sa réciproque va être bijective puisque on a unicité de l'antécédent parce qu'elle est bijective, unicité de l'image parce que c'est une application. Donc, bien évidemment, quand on prend f-1, on inverse image et antécédent, mais on aura toujours l'unicité dans les deux cas. Donc, c'est quelque chose qui est évident.
La deuxième proposition, qui est aussi évidente parce qu'on l'a déjà faite, en fait, on récapitule un petit peu tout. On avait vu dans la vidéo précédente que si f et g sont bijectives, alors g rond f est bijectif, donc ça on l'a démontré. Et g rond f-1 est égal à f-1 rond g-1, ça on l'avait démontré au tout début quand on avait fait la réciproque des relations. Donc on le sait aussi, donc c'est juste un récapitulatif parce que on parle des bijections ici, et c'est vrai que on aura souvent besoin des fois de prendre la réciproque d'une composée. La dernière proposition qui, elle, est importante et qui va nécessiter une démonstration qui est assez compliquée, c'est que si je prends une application, je vais dire c'est une condition pour qu'elle soit bijective. Attention, c'est une condition nécessaire et suffisante, j'ai un si et seulement si. Donc il faut trouver une application G ici, telle que si on la compose, on va obtenir l'identité. Si on a G rond F et bien entendu F rond G. Alors j'ai l'identité volontairement, j'ai omis ici de mettre l'ensemble. Hein. L'application F est de vers F, l'application G est de F vers E. Ici on a G rond F, donc on part de l'ensemble E bien entendu. Donc ici il s'agit de l'identité de E. Et F rond G, donc ici la première application qui est faite, c'est l'application G. Donc on part de l'ensemble F pour aller dans l'ensemble E. Donc là c'est l'identité de F. Et si on a une application qui vérifie ces deux choses-là, alors eh bien, l'application F va être bijective et l'application G en question qu'on a trouvée, il s'agit en fait de la réciproque de l'application F. Nous allons faire une démonstration ici qui va être un peu compliquée. On a un si et seulement si qui est la même chose qu'un équivalent. On ne va pas pouvoir montrer tout en une fois. Donc on va le décomposer en deux si alors. C'est-à-dire qu'on va avoir dans un sens, c'est-à-dire si f est bijective, alors il existe une application. Et en réciproquement, s'il existe une application, alors f est bijective. Donc on va commencer par la première partie ici. Si f est bijective, alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, si f est bijective, eh bien, les antécédents sont uniques, bien sûr, et les images sont uniques aussi parce que c'est une application. Donc, je vais pouvoir dire que f-1 existe, ça on le sait puisque l'application, enfin, la réciproque d'une relation existe tout le temps, mais elle existe surtout en tant qu'application. Parce que la fonction f est bijective et que les antécédents sont uniques. Et quand je pars par f-1, les antécédents deviennent les images et inversement, existe en tant qu'application. Ça ne serait pas le cas si elle n'était pas bijective, bien évidemment. Et on a, bien sûr, si je calcule cette chose-là, f-1 rond f, bien sûr, qui va être égal à l'identité de E, puisque ici F, je vais de E dans F, F-1, je vais de F dans E, donc je reviens dans E. Je suis l'identité de E ici, puisque F-1 est la réciproque. Et bien entendu, je vais avoir F rond F-1 qui, elle, est égale à l'identité de F. Donc il n'y a pas de problème, j'ai trouvé donc une application qui vérifie cette chose-là, et bien sûr, il s'agit de la réciproque. Si je prends maintenant réciproquement, je dis donc si il existe une application G qui vérifie cette chose-là, G rond F égale l'identité de E, G F rond G est égal à l'identité de F. Avant de faire quoi que ce soit, je vais remarquer ici que l'identité de E et l'identité de F, on les connaît, ces applications-là, et on sait que ces applications sont bijectives. On l'a vu, on en a donné un exemple précédemment. Donc ici, on va dire que on remarque. Parce que c'est important que l'identité de E et l'identité de F sont bijectives, bien entendu. Et donc ça va me permettre de trouver de montrer que F va être une bijection. Regardez, on va dire tout simplement que G rond F, du coup, si l'identité de E est bijectif, on a donc identité de E bijective. Donc ça implique que G rond F est bijective. Ça, c'est la première chose. Et donc ici, ça implique quoi? Ça implique donc que G rond F est injective et G rond F est surjective.
D'accord, ça, on a ces deux choses-là, puisqu'elle est bijective. Et on a vu précédemment que quand on a Géron F qui est injective, alors ça veut dire que la première est injective. Donc ça veut dire que F est injective. Et ici, quand on a Géron F est surjective, ça veut dire que G est surjective. La deuxième est surjective. Ensuite, je vais avoir maintenant la même chose avec cette fois-ci l'identité de F qui est bijective. Donc ici, cette fois-ci, ça va être F rang G qui est bijective. Ça implique donc un certain nombre de choses que F rang G est injective et que F rang G est surjective. Là, ça va m'impliquer F rang G est injective, ça va m'impliquer que G est injective. Et ici, que F est surjective. Et donc maintenant, je peux donc dire quoi? Je vais dire donc ici, F, elle est injective et surjective. G est injective et surjective. Donc ici, on peut dire que F et G sont bijectives. C'est surtout G, surtout F que je voulais bijective, bien sûr. Et j'ai donc démontré qu'elle était bijective. Il me reste maintenant à démontrer que G est égal à F-1. On va dire d'autre part, eh bien, on va prendre G. Alors, l'astuce, c'est de dire que je vais la composer avec l'identité ici. Alors attention, hein, G, elle va de F dans E, donc ici il faut bien que je parte de l'identité de F pour rester dans F. Et ça, l'identité de F, eh bien ça va être, on sait que c'est G, donc rond F-1. On sait que rond F-1, c'est l'identité de F, ça fait partie des choses connues. Et donc, ça, maintenant, j'utilise l'associativité de la composition des applications. Ça nous fait donc G rond F, rond F-1. Et oui, seulement que G rond F, on a dit que G rond F, c'était l'identité de E. Ça nous fait donc l'identité de E rond F-1. Et ici, l'identité de E rond F-1, ça nous fait donc F-1. Et on a bien montré que G était égal à F-1. Et bien cette propriété-là, maintenant qu'on l'a démontrée, elle va nous permettre d'avoir une conséquence et qui va nous montrer qu'une application involutive est une bijection. Et bien automatiquement, avec cette propriété qu'on a, et bien si je prends une application qui est involutive, et bien elle va être obligatoirement bijective, puisque si on reprend la définition d'une involution, on a dit qu'on a trouvé une application telle que F rond F était une application F telle que F rond G est égal à l'identité. Donc ici, en fait, il s'agit G de la fonction F elle-même. Et donc, elle va être bijective parce qu'elle rentre dans le cadre de la propriété précédente. Et bien évidemment, étant donné qu'on n'a pas que la fonction G, c'est la fonction F aussi, on a F-1 égale F, c'est-à-dire qu'elle est elle-même sa réciproque.